Salut, c'est Monsef et aujourd'hui j'ai l'occasion de tester un tout nouveau produit de Dyson, le Wash G1. Il ne s'agit pas d'un nouvel aspirateur, mais d'un nettoyeur de sol. Dans cette vidéo, je vous dis tout ce que vous devez savoir à son sujet. C'est parti! Dyson est connu pour ses innovations constantes et il n'est donc pas surprenant qu'il ne se contente pas uniquement d'améliorer les aspirateurs existants, mais qu'il propose également des tout nouveaux produits. Cette fois, Dyson lance le Wash G1, dont la fonction principale est de passer la serpillière, mais aussi de ramasser les petits débris en un seul geste. Tout cela grâce à sa technologie avancée de lavage. Vous n'avez donc plus besoin de plusieurs appareils pour les différentes tâches de nettoyage. Le Wash G1 fait tout. Qu'il s'agisse de liquide renversé ou de saleté incrustée, cet appareil peut s'en charger. Le réservoir d'eau propre contient 1 litre d'eau, ce qui vous permet de nettoyer jusqu'à environ 290 m², soit la taille d'un court de tennis. L'eau sale se remplit dans un réservoir séparé que vous pouvez facilement vider par la suite. Si nous comparons cet appareil au Dyson Submarine, nous constatons que de bonnes mesures ont été prises pour pouvoir nettoyer plus longtemps sans avoir à vider l'eau sale. Il est également important de noter que le Wash G1 utilisera toujours l'eau propre et ne passera donc jamais à l'eau qui a déjà été utilisée pour le brossage. La facilité d'utilisation est au cœur du Dyson Wash G1. L'appareil est léger et ergonomique, ce qui vous permet de le manœuvrer sans effort dans votre maison. De plus, il dispose d'un grand réservoir d'eau, ce qui vous permet de nettoyer plus longtemps sans interruption. Autre caractéristique intéressante, l'appareil peut se rincer automatiquement une fois qu'il est en charge. Dyson a donc vraiment pensé à tout. L'écran LED intelligent vous informe également de l'autonomie de la batterie et du niveau d'eau, afin que vous sachiez toujours exactement quand il est temps de le remplir ou de recharger l'appareil. Le Dyson Wash G1 n'est pas seulement puissant, il est aussi efficace pour garantir une longue durée de vie à la batterie. Avec une batterie chargée, vous pourrez nettoyer pendant environ 35 minutes, ce qui devrait suffire à la plupart des ménages. Si vous avez une maison plus grande, une batterie supplémentaire vous permettra de nettoyer encore plus longtemps sans avoir à recharger l'appareil entre-temps. Le Dyson Wash G1 est une solution polyvalente, efficace et conviviale pour tous vos besoins de nettoyage. Par rapport au Dyson Submarine, j'apprécie personnellement le fait que l'on dispose désormais d'un seul appareil pour passer la serpillière. Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le Dyson Wash G1 ? Surfez vite sur notre site web crefel.be et commandez votre modèle dès aujourd'hui. Vous voulez rester au courant de tous nos nouveaux produits ? N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt !